Tac. Utiliser des écouteurs, enfin un casque pour une meilleure expérience. Ah, on va peut-être avoir enfin peur. Peut-être. Sadako. Voilà. Ah, du coup, j'en profite pour dire que The Ring est un de mes films d'horreur préférés. Je parle du 1, je parle pas du remix qu'ils ont fait, enfin du remake qu'ils ont fait là. C'était quand? Je sais plus, il y a quelques années. Oh, j'ai vu 5 minutes de film, j'ai jamais envie de tout casser, c'était une horreur. Mais je vous parle voilà du The Ring qui est sorti bien avant. L'histoire est top, le film est top. J'ai vu la version japonaise, donc du coup où le personnage s'appelle Sadako, et j'ai vu la version américaine. La version japonaise est cool, mais ne m'envoyez pas des sacs poubelles s'il vous plaît. J'ai une préférence quand même pour la version américaine, peut-être parce que la version japonaise a un petit peu vieilli, etc. Je sais pas. Pour The Grudge, ça a été le contraire. J'ai préféré la version japonaise qu'américaine, mais pour The Ring, j'ai eu une petite préférence quand même pour l'américaine. Du coup, je vous le conseille. Je vous conseille quand même la version japonaise, évidemment. Mais c'est vrai qu'elle a peut-être un peu plus mal vieilli. Et même le 2 est pas mal. The Ring 2, il y avait quand même aussi des bonnes idées assez intéressantes. Ne regardez juste pas le remake. Le remake, il est horrible. Faut pas le regarder, c'est horrible. Donc voilà, j'ai fait en plus un petit dessin de The Ring, vous pouvez aller le voir, de Sadako, sur Instagram. Hein. Je l'ai fait assez vite, mais ça m'a fait plaisir de la dessiner. Donc, voyons voir ce que ça donne ce petit jeu sur The Ring, sur l'univers de The Ring et Sadako, du coup. Sadako, qui en version américaine s'appelle Samara, qui est le nom de mon deuxième chat. Et oui, parce que je suis une folle. C'est parti. Voilà. Ça se joue avec un cul coincé. Mais tu sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit on dirait qu'elle a le cul coincé et du coup maintenant je vois plus que ça sur mon dessin. Ça me perturbe de ouf. Ça a l'air plutôt joli. Ah oui, voilà, le remake s'appelle pas The Ring mais juste Rings. Voilà, c'est ça. Bah c'est celui-là qu'il faut pas voir. C'est exactement celui-là. Le nom complet c'est Sadako Yamamura, pour ceux qui veulent le savoir. J'avais oublié le nom de famille, ouais. Petit effet VHS, ah bah là. D'ailleurs, il faudrait que je me revoie le film. J'ai envie. Et le jeu est beau! Le jeu est joli. Lord of the Ring est excellent. Je l'ai pas vu encore. Alors. Oh, il y a une photo d'un petit chat. Oula, par contre, j'ai une démarche de mamie possible. Petit feu qui crépite. Petite photo. Qui a ça chez lui, je sais pas. Il y a eu un Sadako en film cette année? Non. Japonais ou américain? C'est américain, je sais pas si j'ai envie de le voir. Non, parce que quand je vois le remake qu'ils ont fait, quelle horreur. Quelle horreur. Je sais pas pourquoi ils veulent s'évertuer à faire des remakes alors que le film, il est, je sais pas en quelle année il est sorti la version américaine de The Ring, mais il était très très bien. En plus, il y a eu un 2, il y a pas besoin d'un remake quoi. Et le remake, en plus, ils ont tout raté. Mais tout. Tout est raté. Tout. C'est une horreur. Ne le regarde pas. Oui, bah, je me doute qu'il doit pas être fou. 28 octobre. Oh là là. Alors, est-ce qu'on a la cassette? The Inside Chain. Est-ce qu'on a vu la cassette? Ah non, j'ai juste allumé, d'accord. Mais il n'y a pas la. Ouais, d'accord. Il n'y a pas de cassette dedans. Et alors, je crois que je vous avais déjà raconté l'anecdote, mais j'en profite vu qu'on fait un jeu sur The Ring. Hein. Je suis obligé. Ah, bah la cassette est là. VHS. Attends, je vais juste faire un petit tour en haut. The Ring, du coup, un film qui m'a terrifié. C'est un des premiers films qui m'a vraiment fait super peur. Pas pendant le visionnage forcément du film, même s'il était cool et tout et qu'il m'a donné des petits frissons.
Mais plus. Oh, c'est mignon. Plus. Ah putain, les portes, ils s'enferment toutes seules. Plus après, en fait. Parce que j'ai regardé le film toute seule. J'étais un peu jeune, je sais plus quel âge j'avais, mais. Alors, peut-être 12, 13 ans, je sais plus. Et j'ai regardé le film tout seul dans ma chambre. Parce que j'avais une télé dans ma chambre. Et j'ai regardé le film tranquillou. Et ensuite, j'ai éteint ma télé. Et ensuite, je n'ai pas dormi de la nuit. Et j'ai regardé ma télé comme ça. Qui était juste en face de mon lit. Impossible de dormir. J'avais fait des cauchemars. Enfin, j'avais pas dormi et après, j'étais pas bien et tout. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas regardé la cassette encore. Hein. Calmez-vous. Hep, hep, hep. Normalement, tant que j'ai pas regardé la cassette, je suis safe. 7 jours. Mais non, j'ai pas regardé la cassette. Oui? C'est écran noir, hein, du coup. Oui, The Grudge est très très bien aussi. Et pour le coup, The Grudge, bah, je vous conseille. La version américaine est chouette. En plus, il y a Sarah Michelle Gellar. J'aime bien. C'est celle qui fait Buffy. Mais je vous conseille aussi la version japonaise parce que... Oh. Mais j'ai pas regardé la cassette à l'aide. Attends, on voit pas grand-chose. Attendez, j'ai envie de relancer le jeu parce que on n'a pas vu la cassette. J'en suis sûr. Attendez, je relance le jeu. J'en ai rien à faire. Voilà, 7 jours. Voilà. Ok. Oh, me dis pas qu'on peut pas voir la cassette. Quelqu'un a droppé cette VHS. Insert. Oui, oui. Oui, oui, oui. Ah, je veux voir la cassette, moi. Attention! Oui. Alors je crois qu'il y a un truc... C'est le reflet de... Du salon ou il y a un truc? Ah non, c'est juste le reflet. Mais la cassette elle marche pas. Peut-être que je mets play. Ah oui. Je crois que ça marche mieux quand on met play. Ah, est-ce que c'est la vraie cassette que dans le film? Ah non. Ah, il y a un mec qui parle, je crois, dans la cassette, mais on entend rien. Le jeu s'appelle Sadako, Projet Sadako ou Sadako, je sais pas parce que. C'est tout? Bah! Je suis un peu. Je suis un peu déconfite. Si j'avance un peu. Ah. J'ai pas vu ça. Ah bah si, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Je suis sûr qu'on se fait. Oui, moi aussi. Coucou Alexi. Censé voir un puits, pas un arbre, bah oui. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent, dernière petite anecdote sur The Ring, pour ceux qui me suivent, bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Depuis un petit moment maintenant, il y a une vidéo qui est encore sur YouTube que j'avais fait pour le trailer des vidéos que je montais avec... avec une partie gameplay de jeu et une partie sur fond vert, etc. Et j'avais fait un trailer, du coup. Et le trailer, je l'avais fait avec les images de The Ring. Et du coup, je m'étais amusé à faire n'importe quoi avec. Et c'était très drôle. Et du coup, bah, j'ai la vidéo. J'ai la vidéo du film. Donc la vidéo de The Ring, la vidéo maudite. Je l'ai encore sur mon ordinateur et tout. Voilà. Du film, hein, évidemment.
Bon, bah, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Ouais, bon. C'est pas grave. Bon, on va monter comme tout à l'heure. Donc voilà, donc quand je viens là, il se passe un truc. Je sais pas pourquoi. Sur YouTube, ouais. Par contre, je sais plus comment ça s'appelle. Ça, les vrais le savent. T'as ce raccourci horrible, quoi. Je sais plus comment s'appelle la vidéo, par contre. Pardon, je l'ai vu arriver. Ah, mais je suis en bas, du coup, ça m'a TP en bas devant la télé. Ah, mais non, il y a une télé dans ma chambre. Ah, oui. Ah, c'est con d'avoir des télés de partout comme ça. Hein. Là, pour Sadako, c'est un peu con, ouais. Je vais l'allumer. Non, je vais pas l'allumer. Je vais entendre le Zedjou. Où est le téléphone? Avez-vous vu un téléphone? Le feu est toujours là, en tout cas. Ouais, la vidéo doit s'appeler teaser ou... je sais plus. Mais elle date un peu, hein. Elle date y a un moment. Hein. Je pense que je peux pas allumer les fenêtres. Allumer les fenêtres, ouais. Je sens que je vais crever. Mais y a pas de téléphone, quoi. Genre, je l'ai entendu sonner, je le vois pas. Ah! Ah, bah voilà, bah c'est ça qu'on voulait voir, nous. Ah, attendez, je m'installe. Est-ce qu'on va la voir sortir? Ah, voilà, ça on connaît. Ça, c'est cool. Par contre, ça veut dire que j'ai vu la vidéo d'origine il y a 7 jours. Me dites pas qu'il faut que je m'échappe parce que sinon c'est ridicule quand même. Coucou! Ah, c'est peut-être que ça le jeu. Ah non, faut que je m'échappe! Oh merde! Oh, mais regardez, elle est toute mignonne! Attendez. Du coup, je vais où? Attendez, madame, je vais où? Non, mais elle veut juste une maman. Elle est plus là? Ça a saoulé. Donne-lui une serviette, mais oui. Sadako? Tu sais que j'ai donné ton nom à mon chat, ça te fait plaisir ou pas? Tenons la télé. Ne pourra pas revenir. On peut lui faire un tap-tap sur la tête. Sadako. Je ne peux pas sortir de chez moi, je suis en danger, mais non, restons là. T'as bien raison. Bon, d'accord, celui-là m'a surpris. Ah, développe. Ah, pas mal, pas mal, pas mal, ok. Mais je suis ici par contre. Qu'est-ce qui se passe? Ah, peut-être que je vais acheter des lunettes, hein, parce qu'elle m'a pas vu. Hein. Achetez des lunettes à Sadako, s'il vous plaît. Oh! Mais dis donc! Mais tu es everywhere! Nettoie le sol! Ah, je peux pas prendre la porte! Mais je peux pas prendre la porte! Merde. Ah putain, mais je me suis coincé derrière le pot de fleurs. Bah voilà, je suis foutu. Ouais, elle a vraiment besoin de lunettes. Je suis devant toi. Mais attendez. L'image de l'œil, c'est pas The Ring. Ôtez-moi d'un doute.
bon, le jeu était pas ouf. C'est The Grudge. Ou je dis une énorme bêtise. Il est où le jeu en vrai? Merci d'avoir joué. Bah, j'ai pas vraiment joué, mais. Oh là, c'est The Grudge, on est d'accord. Le mec, il fait un jeu sur The Ring et Sadako, et en plot twist d'image, il met l'image de The Grudge. Oh, c'est une catastrophe. Non, c'est bien The Ring, t'es sûr? Attends, t'es sûr? Mais pour moi, c'est The Grudge, c'est bizarre. Merci beaucoup, Song. Merci beaucoup. T'es 3,33€. Tu aimes bien ce chiffre?